Hello tout le monde, on se retrouve pour un haul Shein. On essayera. Donc moi, j'ai pris des habits en 52-54 et pour mon fils, j'ai pris des habits en 8 ans. J'espère que ça lui ira parce qu'il chevauche entre le 7 et le 8 ans. Donc tout ça, j'en ai eu pour presque 200 euros. Moi, j'avais le bon de réduction de 25%, donc ça a fait une sacrée réduction. C'est parti! Du coup, on a tout ça à déballer, donc je mettrai les photos des vêtements sur le site et puis je mettrai à côté ou après les essayages de mon fils ou de moi pour comparer si c'est bien ou pas, si c'est de la bonne qualité, si ça sent mauvais. Je suis pas sponsorisée par Shein, hein. J'ai tout payé avec ma carte bleue, comme dirait Laurette. Tous les sacs sont estampillés Shein. Ils sont recyclables maintenant, les sacs, hein. On peut les mettre au bac de tri. Avant, on ne pouvait pas, il me semble. C'est déjà une avancée, hein, parce qu'avec tous les emballages plastiques qu'il y a, c'est bien. Donc, là, on a un t-shirt pour moi. Taille and die. Il m'a l'air assez grand. Par contre, le tissu, il n'est pas fifou. Je le sens tout de suite, ça va faire transpirer. Vous verrez tout à l'heure que mon fils, il a un ensemble qui ira avec ça. Il est chouette, je vais l'essayer. Alors, voilà, il est comme ça. Je suis à l'aise dedans, hein, il va. Hein. Il est fendu ici du côté. Faut pas être complexé hein, quand il y a les bourrelets qui sortent. Hein. Mais il est fendu. Je suis à l'aise. Il a l'air sympa. Je sais pas s'il va pas boulocher un peu celui-là. Mais il est joli. Ils sont pas très. Ils sont un peu forts, mais ça va. Ensuite, on a celui-là. Le tissu a l'air bien mieux. Il a l'air plus doux et ça. Ouais, il a l'air sympa celui-là. Par contre, la couture arrière, on dirait qu'elle n'est pas en face de la couture avant. Ouais, je sais pas, on verra. Mais il est beau, hein. Il est vraiment chouette. Je vais l'essayer. Donc voilà, celui-là il est trop beau, j'aime bien. Et la matière elle a l'air bien, elle a l'air top. Elle va pas boulocher celle-là, je pense, comme l'autre. Il est à ma taille, 52-54, c'est super. C'est du 4XL ou. Oui, 4XL, il me semble. Ouais, il me plaît, il est super. Suivant. Ensuite, j'ai pris celui-là. Alors, celui-là, je l'ai pris chez les hommes. Parce que je ne trouvais pas chez les femmes et vu que je voulais faire un look matchy-matchy avec mon fils, ben je l'ai pris chez les hommes. Du coup, j'espère, ouais, il a l'air plus grand. Je vais l'essayer du coup. Voilà. Il est bien. J'aime bien le tissu. Il pourrait être un chouïa plus long, mais bon, ça va. Ouais, il est pas mal. Bon, après, c'est pas la même forme du coup que c'est pour les hommes, mais c'est bien pour l'été. Il sent un peu mauvais, mais pas plus que ça. Pas de fil. Voilà, il est bien. Suivant. Ensuite, là, on a le même que l'autre, le rouge et blanc, sauf que j'ai pris en bleu et blanc. Ouais, c'est pareil, hein, c'est le même tissu. On va polémiquer pendant 3 heures, je l'essaye. Ouais, il est top. Il est top, on est bien dedans, le tissu est bien. J'aime bien, il est comme ça dans le dos. Ce serait sympa qu'il y ait des trucs dans le dos, mais ouais, il est chouette. Il est chouette, top, top, top. Maintenant, on va passer aux habits de mon fils. En premier, on va prendre ce petit ensemble-là. Celui qui fait matchy-matchy avec moi, normalement. Alors. Oh, le tissu. C'est un tissu qui fait transpirer. Vous avez toujours des petites feuilles comme ça, entre, hein, comme d'habitude. Ce sont ces chines, hein, vous connaissez à peu près. Alors. Ouais. C'est un short. Comme ça. Là, vous avez un truc. Je sais pas si vous allez le voir. C'est notre doigt holographique normalement. Et là, vous avez le t-shirt. Ouais. Voilà, il est comme ça derrière. Il va l'essayer et je vous montre. Donc voilà, là, il a essayé le premier ensemble. Tu tournes sur toi-même? Tourne. Il te plaît? C'est mon Oui, préféré rouge. il est chouette. Juste le tissu qui me plaît pas trop, mais il est sympa. Ensuite, le deuxième ensemble. Alors. Donc, il y a
le t-shirt. C'est trop bizarre la texture. On dirait une genre de mousseline, mais hyper synthétique. Et là, vous avez le short. Ouais. Il est joli. Il a des poches, celui-là. Ouais. Je sais pas trop quoi en penser. La texture est hyper bizarre. Je sais pas si vous allez voir comme ça. Je sais pas si dans le blanc vous le verrez mieux. Mais il est hyper chelou. Allez, il va l'essayer. Voilà, ça c'est le deuxième ensemble. Tu tournes? Il te plaît? T'aimes bien? Oui, j'aime bien. Allez, on fait un troisième ensemble. Alors celui-là, normalement, c'est un short et une chemise. Oh! Ouais, il y a un bouton. C'est une matière un peu entre le maillot de bain et la soie, mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est... Je sais pas si vous entendrez. C'est... ouais, c'est... Il est joli, hein. Mais ouais, bon. Il est joli. Donc, il y a le short et la petite chemise. Comme ça. Voilà. Il va l'essayer. Alors, t'aimes bien? Oui, j'aime bien. Tu tournes? Tu te retournes? Ouais, il est joli. C'est, encore une fois, c'est juste le tissu qui est pas fifou. Alors, un autre. On lui a refait le stock pour cet été, il avait plus grand chose. Ouais, donc ça c'est le même style de tissu que celui d'avant, mais en plus fin. Ok. Ça c'est le short. Style bandana. Il y a des poches. Il est vraiment bizarre. Il y a des poches. Et là, il y a la petite chemise. Il est joli. Encore une fois, c'est le tissu. Mais il est chouette. Il est joli. Il va l'essayer. Alors. Donc ça, c'est le suivant. Donc, ouais, il est joli. Il est joli, encore une fois, le tissu qui est pas ouf. Et celui-là, il existe en différents coloris. Vert, je sais plus, je crois bleu marine. Tu tournes pour montrer? Ouais, il est sympa. Il est cool, celui-là. Ensuite, on a l'ensemble là. Je l'ai filmé il y a 2 minutes, mais je sais pas, ouais, j'ai regardé, j'avais pas le rush. Ouais, donc vous avez cet ensemble là, style baseball. Le tissu, il est chouette, celui-là. C'est un peu le tissu des maillots. Vous savez, quand on est à l'école et qu'on fait des équipes, c'est un peu ce tissu-là, en moins rêche. Ouais, il a l'air cool, celui-là. Il a l'air plus fluide, plus à l'aise. Donc, et là, il y a le haut. Comme ça. Il est joli. Moi, je le trouve chouette. Il va l'essayer. Voilà, là on a l'ensemble. Alors le vert là, la caméra il ressort plus foncé, il est plus clair en vrai. C'est un vrai cordon, Younes? Oui. Il sert autour de la taille? Oui. Ah ouais, ils ont mis un vrai cordon. Ok, il est joli, moi j'aime bien, il te plaît? Oui, il me plaît. Tu tournes? Ensuite, ça ressemble au suivant. Alors, ah oui. Là aussi, c'est un peu un style bandana. Donc là, vous avez le t-shirt blanc, basique. Juste avec une petite poche comme ça devant. Et alors là, le short, là, c'est le pire des tissus, je crois. Il est trop bizarre. On dirait un kawaii. Vous entendez? On dirait un kawaii. Il est très épais. C'est pas fluide, hein, en tout cas. Il a des poches. Ouais, il va l'essayer. L'ensemble suivant. Tu te tournes? Ouais, il est ok. Il est assez simple celui-là, mais c'est vraiment juste le... Là, c'est juste vraiment la matière du short qui est pas ouf, hein. On a un ensemble Sanyendai. C'est blanc avec du bleu foncé. Je sais pas si vous le verrez que c'est du bleu. Regardez. Ouais, la matière elle est déjà mieux.
Et du coup, c'est un short avec un classique basique. Il a des poches aussi. Bon, après, le tissu, encore une fois, c'est un tissu qui fait transpirer, hein. C'est pas du coton. Mais ça va, l'intérieur, il a l'air un petit peu, un peu. Ça va, ça va. Il y a mieux. Mais pour le prix, on va pas se plaindre. Hein. Ok, il va l'essayer. Voilà. Voilà. Ouais, il est sympa. On a un autre ensemble. Il y avait un bouton aussi dedans qui vient de tomber. Non, reste là-bas. T'es en caleçon, je veux pas que tu te mettes. Donc, même texture que l'autre short. Slickaway. Après, ils sont épais, hein. On voit pas à travers. Mais ouais, ils sont. En tout cas, il est chouette. J'aime bien les couleurs. Je sais pas si vous verrez exactement les mêmes couleurs qu'il y a là. C'est rose, bleu clair, bon, plus rose encore plus clair. Et donc vous avez une petite chemise avec. Après, je pense que Shein, il pourrait faire quand même un effort sur les tissus. Juste un petit effort, ce serait sympa. Il va l'essayer. Voilà, le ressort suivant. Ok, ouais, il est froissé, hein, ça lui rend pas justice. Mais ouais. J'aime blanc. Il est beau, moi j'aime bien. Donc là, c'est l'ensemble suivant. Donc, vous avez. Le tissu est mieux là. Il est plus fluide, il est plus sympa. Donc là, vous avez un ensemble. C'est kaki. Vert kaki. Par contre, c'est pas kaki autant que sur le site. Je vous mettrai la photo de toute façon. Mais ça tire un peu plus dans le beige. Il a une capuche. Il est chouette. Voilà. Petit t-shirt. Et du coup, vous avez le t-shirt qui va avec. Voilà. On va essayer. Alors, ouais, voilà l'ensemble suivant. Alors, je suis un peu déçue parce que, en fait, vous voyez la capuche, la manche et la jambe du short ont la même couleur. Par contre, au milieu du haut, c'est plus brun. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais pourquoi faire ça? Je comprends pas. C'est pas joli. Tourne-toi voir. Vous voyez le dos? Il est de la même couleur que le short. Mais le devant, tourne-toi, il n'est pas de la même couleur. Ouais, c'était pas comme ça sur le site, hein. Là, on a l'ensemble suivant. Alors, ça c'est nouveau un style baseball en violet et noir. J'adore ces couleurs, moi. Ok, il est plus fin le tissu. Tissu assez stretch. Bon, celui-là, il sera plus à l'aise dedans. Hein. Ouais, il est joli celui-là. Et vous avez le haut. Mais il est très court ce haut. On dirait un crop top. C'est bizarre. C'était chez les garçons pourtant. Ouais, va l'essayer. Alors oui, effectivement, le haut, il est assez court hein, pour un 8 ans. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander si c'était vraiment le haut qui allait avec ce short. De toute façon, je vous mettrai les photos du site. Ensuite, on est sur un autre ensemble. Alors ça, c'est le truc que je vous parlais avant, le look matchy-matchy, que moi j'ai pris le t-shirt. Oh, c'est fin. Vous voyez qu'on voit à travers? Au travers des deux, hein, des deux côtés, hein. Oh là, c'est fin. Hein. Heureusement que mon fils il porte des caleçons. Ouais. Alors. Et ça, c'est le t-shirt. Moi, je vous vois à travers. Hein. Je sais pas si vous me voyez. Et moi, je vous vois. Ouais. On y va l'essayer. Voilà. Donc effectivement, dans le soleil, on voit un peu à travers, hein. J'ai vu beaucoup à travers. Tu tournes? Là, comme ça, vous le verrez pas, mais on voit à travers. Il est joli, hein, mais encore une fois, le tissu, voilà. Alors celui-là, il me semble que c'est le même que le kaki et blanc. J'espère qu'il n'y a pas de différence de couleur de bleu là cette fois. Parce que le kaki, c'est flagrant, hein. Alors, là aussi,
Mais c'est fait exprès, vous pensez? Je sais pas trop si c'est fait exprès. Que le bleu, il n'est pas pareil sur la manche et la capuche que sur le devant. Et là, vous avez le short. Hein. Comme avant. Il va l'essayer et je vous montre. Alors, effectivement, la capuche, elle est de nouveau pas de la même couleur que je sais pas trop. Tourne-toi voir. C'est moins flagrant, mais je vois que c'est pas exactement pareil. Ouais, oui, il est joli. Ça va un peu avec mon t-shirt noir, blanc et bleu aussi. Pour faire un petit look matchy matchy. Le dernier ensemble. Alors. Ouais, c'est le même que le noir. Regardez. Il est brun. C'est le même tissu, hein. Le même tissu de genre kawé. Ouais. Et là, le t-shirt avec la petite poche. C'est exactement le même. Hein. Alors, le suivant. Bon, il n'y a pas de surprise. Hein. C'est exactement le même que le noir. Ouais. Oui, joli. Encore une fois, le short, c'est pas. Ouf, ouf. Comme je dis tout le temps, le short, c'est nouveau une matière un peu cracra-boudingue. Hein. Je lui ai pris un bob pour essayer. Je crois que je lui ai jamais essayé de bob. Il a tout le temps des casquettes, mais pas des bobs. Ouh, pardon pour le bruit. Par contre, le bob, je suis un peu déçue parce que. Il était censé être un peu plus tie and dye. Hein. Là, c'est plus éclat de peinture. Je sais pas si vous verrez. Mais sur la photo que je vous mettrai à côté, normalement, c'est un peu plus tie and dye. Hein. Voilà, là, on a le bob. Tu tournes un peu. Je crois qu'il est un peu grand pour lui. Ça fait bizarre de le voir avec un bob. J'ai pas l'habitude. Et en dernier, il y a une casquette. Oh, ça fait du bruit. Donc là, vous avez. Ah, il y avait une protection pour pas qu'elle se plie. Ouais. Je pensais pas, en fait, je pensais que c'était un genre holographique avec de la lumière un peu. Je savais pas que c'était vraiment la couleur. Bref. Ouais, les noirs classiques avec leur genre de tête là qu'ils ont sur plein d'ensembles. Et donc là, on a la casquette. Tu te tournes? On voit mieux le devant. Ouais, j'ai la casquette. Bon, elle casse pas trois pattes, hein, canard. Elle est. Voilà, elle est basique. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je sais pas si vous avez aimé ou si vous avez des enfants. Moi, j'aime bien commander de temps en temps sur Shein. Ils ont des trucs sympas, originaux, surtout. Mais ouais, les tissus pour les enfants, franchement, ils pourraient faire un effort. Parce que les adultes. Ça va, en règle générale, les tissus, même si des fois il y a des petits loupés. Mais ouais, les enfants, ils pourraient être un peu plus à l'aise si c'était un peu plus genre du coton ou du polyester, mais pas ce genre-là. Pas un style kawé ou maillot de bain bizarre. Ou ouais. Mais après, c'est joli. Mais ouais, un effort, je sais que vous passerez peut-être pas par là, mais un petit effort sur les tissus, ce serait pas de refus. Hein. Et ben, je vous fais des gros bisous, les momies. À bientôt. Et mon fils, il vous fait dire au revoir. Tu viens? Tu dis au revoir. Au revoir. Au revoir.